quelque chose de ça. Ici, heureux pour le peuple de Guinée, heureux pour le président de la Dame, heureux pour moi-même. Et nous venons une fois, plus encore, d'administrer un peu de chaos pour nos adversaires. Donc, on réalise ce que nous avons réussi à faire. Il n'y a pas de comparaison. Franchement, pourquoi comparer le diamant et l'argent? C'est pas possible. Même le surnom. Là, tout ce que je leur demande maintenant, ce sont nos compatriotes. Ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que nous. Qu'ils viennent autour de la table, qu'on discute réellement, qu'on engage le dialogue. C'est une invite que je lance à nos frères qui sont de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Il faut qu'ils arrêtent de bouger l'Assemblée. Ils n'ont qu'à revenir, exprimer ce qu'ils ressentent au sein de l'Assemblée, discuter. C'est là-bas où tout va se discuter. La rue n'a jamais construit. Okay? Il y a le comité de dialogue. Il faut qu'ils reviennent discuter avec nous. Mais maintenant, eux ils disent, nous sommes contre l'adoption d'une nouvelle constitution. Nous nous disons que nous sommes favorables à une nouvelle constitution qui doit être soumise au référendum par le président de la République. Mais le seul référentiel étant le peuple, alors nous leur demandons, allons devant l'arbitre suprême qui est le peuple, nous verrons qui va gagner. Merci.